Bonjour à tous. Voilà, là je viens vous présenter mes éléments amovibles de chez Stampin' Up que je viens de recevoir, les nouveautés. Voilà, regardez bien. Donc, je confirme bien que les pads d'encre nouveaux et anciens rentrent bien dedans. Moi, j'ai organisé comme ça pour l'instant, mais ça va certainement changer. C'est que j'étais trop contente de les monter et de vous montrer ce que ça donnait pour vous donner des idées, parce que alors là il y a des multitudes d'idées pour organiser votre rangement de pads et des stylos et des Stampin' Blade, et puis des petits casiers pour mettre les petits rubans, enfin tout ce que vous avez à mettre. Et donc j'ai aussi, moi j'avais le rangement des marqueurs. Et dans la boîte des marqueurs, en fait, j'ai mis les 15-15. Ça tombe pile poil. C'est super bien. Pour ceux qui l'ont, c'est super bien. Il faut y penser. Voilà. Donc, voilà un petit peu l'organisation de ma table qui est certes bien ajourée, mais pas encore tout rangée. Je n'ose pas trop montrer tout autour parce qu'il y a encore beaucoup de bazar à ranger. Voilà. Donc, voilà, vous voyez que j'ai du vert, hein, je suis beaucoup verte, beaucoup, beaucoup dans le vert, c'est tout à fait, voilà. Donc, je vais finir d'organiser tout ça, mais je voulais vraiment vous montrer les disponibilités de comment on pouvait les monter. Il y a des multitudes de façons de faire, c'est comme ça vous est pratique, c'est comme ça vous dit, vous pouvez ranger par sorte de couleurs, tous les verts, tous les bleus, enfin vous rangez comme vous voulez, le principal c'est que vous vous y retrouvez et que vous soyez contente de votre installation. Voilà, donc je vous remontre bien encore une fois. Là j'ai mes grands papiers qui sont là sur le côté derrière le pied là, que j'ai mis dans un porte-document blanc assorti avec des éléments. Et là, les petits 15-15 qui sont dans ma pochette de mes marqueurs. Et mes nouveaux marqueurs qui sont dessus parce que j'ai pas eu le temps de tout ranger encore. Les encres, voilà, c'est pareil, elles sont pas toutes là. Hein, mais elles seront pas toutes là parce que je pense qu'elles vont pas toutes tenir pour le moment. Moi, je suis très contente de vous présenter. J'avoue que là, j'avais hâte de me lever de ma nuit de travail plus tôt pour le monter. Et pour vous montrer. Donc j'attends mes clientes, j'attends mes amis pour venir voir comment ça fonctionne. Et voilà, pour donner plein d'idées de montage. Je suis super, super contente. C'est un petit investissement, certes, mais comme on peut les acheter à fur et à mesure de nos besoins, c'est aussi ça l'avantage du montage, ce système de montage. Bon, je vais vous dire au revoir. Et puis, à très bientôt. Voilà, voilà. Bonsoir, bonne fin d'après-midi.